Il est entouré dans le 5 de Armel Traoré, de Robert Woodard, de Milan Barbic et de Tobin Carberry. Le premier ballon de cette affiche dans les mains de l'ADA et de son meneur star, Milan Barbic. Dibost avec Carlton. Tire à 3 points pour Fabian White. La première réussite lointaine pour les Mets. Dibost avec Carlton. Tire à 3 points pour Fabian White. La première réussite lointaine pour les Mets. Dibost qui fait sauter, qui dégaine. Gamel pour Dibost, rebond offensif Carlton. Toupa, non ! Sur la truffe d'Armel Traoré, Axel Toupa qui signe son retour. Tire lointain pour l'ancien du Paris Basketball. Woodard qui est passé, le N1 solide à l'impact, Robert Woodard pour finir face au long segment d'Abdoulaye Loum. Alors l'adresse derrière l'arc n'est pas forcément au rendez-vous, au lancer franc non plus sur ce deuxième en tout cas, mais la défense est bien là. Le 2-1 pour Axel Toupane qui fait du bien au Metz. Gozin, Toupane très loin derrière l'arc. Oh, Axel Toupane, c'est comme s'il n'avait jamais été blessé. ...14 points pour Axel Toupane sur ce premier quart-temps, c'est irréel. Josh Holley, le gros dunk, le gros pétard. Ce match s'emballe. Allez, un ballon volé par Milan Barbic. La contre-attaque. Oh, qu'est-ce que c'est fort. Il est venu prendre le contact sur Abdoulaye Loum. Possession pour les Mets avec le retour sur le terrain d'Axel Toupane. 14 points dans le premier quart-temps. Qui s'est un petit peu reposé. On va voir s'il s'est refroidi ou s'il est toujours chaud. Dibos, le flotteur avec la planche. Il espérait avoir la faute. Ah, ballon perdu. Se prend la tête sur son banc. Michael est. Dibost. Oh, la gifle de Brice Dessert. Et un ballon de contre. Oh, et la passe. Beaucoup de ballons perdus par l'ADA. Carberry avec Vergia. Howley. Traoré prend ce tir. Et le met enfin pour l'ADA. Mais ça reste un petit peu stéréotypé. Ça manque de drive, d'agression de cercle. Carlton, la faute et le 2-1 pour Josh Carlton. Oh, il t'appuie l'écran de Fabian White sur Armel Traoré. Oh, Dibos, le N1, un tir de funambule. Dibos qui voulait shooter vite pour avoir un dernier ballon. Finalement, avoir une seconde munition. Et le dernier ballon sera pour Blois. Pas mal fait ça, le tir là où Konaté en bout de chaîne qui tombe dedans. Ils sont insolents de réussite, ces Mets. Et en même temps, les tirs sont si bien amenés. Barbic. Ressort, pas mal ça, pour trouver le tir de Ryan Brown. Au buzzer, Ryan Brown pour terminer sur une note positive. Une première période compliquée pour les Blaisois, menée de 15 points. Allez, le bon retour défensif d'Armel Traoré. Ballon de contre à négocier. Carberry qui a le temps d'ajuster et qui met dedans Tobin Carberry. Avec l'écran de Josh Carlton, le renversement sur Fabian White. Toupane s'est présenté poste haut et met dedans. Repris du service. Il reprend du service, Axel Toupane. Regardez, on arrive pour mettre en place, il reste déjà plus que 15-14 secondes. Carberry avec Armel Traoré à 3 points. Ça y est, ça revient pour l'ADA. Sur ce jeu de transition. Barbic, il est passé. Milan Barbic, la faute. Et le toucher pour finir
C'est fort, Milan Barbic. La DA est de retour, les amis. Plus que 4 points de déficit et le lancer à suivre. Barbic, l'écran de Brice Desser. Le service, et il va pouvoir dunker Brice Desser. Sans oublier à 16h30, la SIG qui recevra Monaco. Pas mal fait ça, la coupe de Tevin Brown, bien trouvé. Barbic qui renverse sur Ryan Brown, qui a bien vu trouver son ailier ouvert, raté rebond Timothée Vergia, qui met dedans, mais distance, Blois est en tête. Ferméry en l'air, un peu court cette passe pour Josh Howley, un petit peu trop basse, intercepté. Tevin Brown allume à 3 points, effet ficelle. L'adresse revient pour les Mets qui repassent en tête. De raquette Ryan Brown avec l'écran de Josh Howley. Thomas Courtois prend sa chance et met dedans à 3 points. Il est important celui-ci. Il est à 16 unités, Tobin Carberry. Oh, l'interception, le sacrifice. Milan Barbic façon gardien de but un petit peu. Le renversement, il est très bien fait pour trouver Robert Woodard qui avait tout son temps pour ajuster. Bost avec Lau Konaté qui prend ce tir et qui le met. Gros gros tir de Lau Konaté. Barbic, le service sur un plateau pour le dunk de Brice Desser. Pas mal celle-là aussi. Elle est au sol. Non, elle n'est pas au sol. Le 2 plus 1 pour Josh Carlton. Barbic avec Carberry, attaque le cercle, retrouve Milan Barbic qui à son tour attaque, le petit flotteur, le talent de Milan Barbic. Dibost agresse le cercle, le bon service pour le dunk de Josh Carlton. De retour à une possession, les Mets, 79-76. 0 sur 2. Oh, Dibost. Pourcentage catastrophique ce soir, Dibost tire 2 sur 11, 0 sur 6 à 3 points, 2 sur 3 au lancer, même moins que ça maintenant. Dibost, l'écran de Carlton. Fabian White attaque le cercle, travaille. Oh, pas mal le jeu d'appui et les 2 points pour Fabian White qui ramène les Mets à 2 unités. Barbic qui a levé la tête pour trouver Brice Desser. L'énorme poster dans Samuel Armel Traoré. Mais le résultat est le même. La photo. Elle est pour qui la photo? Elle est pour Josh Carlton. Et la faute en prime. Le petit regard d'Armel Traoré. Il est rentré ce ballon. Oh, attention! Et la perte de balle de l'ADA. Ils se sont précipités. Pourquoi Robert Woodard a voulu donner ce ballon à Armel Traoré? C'est pas à lui de le monter en plus. Les Mets qui se... qui ont le, la chance de récupérer une nouvelle munition. Sorokas qui essaye de monter. C'est raté. Rebond. Robert Woodard. Barbic. La passe devant sur Tobin Carberry. On a passé la ligne et la faute. Et 2 sur 2, ils ont été solides. Au lancer franc, les Blaisois dans cette fin de quatrième quart-temps pour s'assurer la victoire. Faute sur Paulius Sorokas au sol de lancer à suivre pour le Lituanien. Allez,
ballon presque perdu qui arrive dans les mains de Josh Howley. Armel Traoré s'est manqué. Eddy Bosz qui va envoyer ce ballon loin. La victoire de la DA Blois qui enchaîne un deuxième succès après celui face à Dijon. 87 à 81, les Metropolitans qui n'ont joué qu'une mi-temps, qui ont gâché leurs 15 points d'avance à la pause. Huitième revers en autant de rencontres pour les hommes de Laurent Foirest qui est plus que jamais sur la sellette.